Elle est d'une importance capitale parce qu'elle complète la législation du travail par des dispositions propres à un champ d'application donné. Ainsi, la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale vient de paraffer une nouvelle convention à la suite de celle qui avait été dénoncée par les partenaires sociaux de ladite entité. Finalement, cet accord est le résultat d'une négociation acharnée qui aura duré plus d'un mois entre les deux parties. L'objectif premier est d'abord de moderniser les instruments de réglementation interne, d'une part, et d'autre part, d'améliorer les conditions de travail et les acquis sociaux au sein de notre institution. Cette convention, qui a pour ambition de nouer des liens harmonieux entre employeurs et employés, arrive à point nommé pour les syndicalistes de la CNAMGS qui trouvent en ce document une satisfaction plus que répondant à une revendication légitime. Nous avons obtenu de la part de la direction générale, du point de vue de la formation des agents, la prise en compte lorsque l'employeur envoie un salarié se faire former. Il faut le savoir, la convention collective est un ensemble d'accords obtenus entre un employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des salariés. C'est le moyen par excellence pour les travailleurs de se sentir écoutés par la direction générale.